d'art. Et moi, Milica Pavlović. Je suis chorégraphe et danseuse. Moi, pianiste, concertiste, professeur de piano, accompagnatrice. C'est-à-dire, c'est une mix de tout l'art qui existe. L'art de lumière, l'art de piano, l'art de danse. Le rythme, oui, juste c'était juste naturel, oui. C'est comme ça, oui. J'ai pas essayé de te suivre, non, on est vraiment c'est la même rythme. En écoute, mais indépendante dans cette écoute, oui. Vraiment. Alors. Ça veut dire quoi? C'est en même temps un concert de piano et en même temps un spectacle de danse contemporaine. C'est pas la musique que j'aime, c'est, ou peut-être c'est la danse, la scène de la vie, c'est des rêves. Moi j'ai imaginé une peinture de gestes, avec vraiment des formes distinctes et des éléments distincts qui créent un espèce de réseau de gestes. Pas forcément toujours pareil, avec des changements de direction constamment, pour créer une composition de gestes. Donc je joue plusieurs morceaux solo, c'est juste pour couper l'atmosphère. L'envie de faire ce projet, c'était vraiment une envie de créer aussi un décalage possible entre la danse contemporaine et la musique dite classique, et pour justement que tout le lyrisme de ces musiques puisse s'épanouir avec le soutien du geste. Et c'est pas trop traditionnel, c'est-à-dire classique. La c'est musique, c'est-à-dire c'est bête, un clair de lune, c'est vraiment assez classique, c'est trop assez classique. Ouais. Donc on peut trouver toujours quelque chose de contemporain. Moi, mon intention, ce n'était pas du tout d'illustrer la musique, c'était de ça fait rien, ça de prolonger un état de rêverie.